soulure pour rendre hommage au prince Arthur, parti trop tôt, trop cher dans les fous de sa jeunesse. Bon, on va pas y passer le réveillon, c'est bien triste, mais maintenant il est temps de profiter de mon nouveau statut de jeune princesse veuve et partir au soleil se poser. Tiens, mon mari. Hein? Oui, je suis Rasseur, revenu d'entre les morts pour t'aider à renverser l'Empire et sauver notre royaume. Ah, c'est que j'avais d'autres plans en tête à présent. Plus important que restaurer la souveraineté de notre nation. Présenté comme ça? Oh, mais j'y pense! Le royaume étant annexé, je n'ai plus d'armée, donc aucun moyen de confronter l'Empire, c'est dommage! N'aie crainte, car dans cette urne se trouve la solution. Voici l'arme qui t'aidera à renverser l'Empire. Je suis censée les vaincre dans un match de pétanque à mort ou simplement en leur lançant dessus? Il s'agit de l'éclat de l'aube, un puissant éclat du cristal capable d'annihiler une région par celui qui l'active. Oh. À présent, venge notre royaume. Mais ça va tuer des gens qui n'ont rien demandé, et la vengeance, c'est mal. Qu'importe les innocents, fais ce que je te dis. Je voulais dire, en souvenir de moi, reprends ton royaume, ma douce. Je ne pourrai reposer en paix tant que ce ne sera pas fait. Et je ne suis certainement pas une entité maléfique qui utiliserait l'enveloppe de ton défunt mari dans le but de te manipuler. Ah, c'est parfait alors. Donc je vais suivre vos paroles et goûter l'Empire hors de nos frontières. Bien, courage. Et à mort à l'Empire. Oui, mort à l'Empire. On va faire la meilleure.